بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. Donc chers frères, nous savons que l'être humain passe par plusieurs états, par plusieurs événements, par plusieurs tribulations, par plusieurs épreuves. Et parfois, il a besoin de prendre certaines décisions ou de s'engager dans certaines affaires. Et face à cette situation, il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui sont hâtives, qui se précipitent, qui n'attendent pas et qui s'élancent rapidement. Ils parlent rapidement, ils entreprennent rapidement, ils prennent des décisions d'une manière hâtive. Et ça peut avoir des conséquences néfastes pour eux, pour leur famille, voire pour toute la communauté musulmane. Et il y a des personnes, la deuxième catégorie de personnes, ce sont des personnes qui prennent le temps de réfléchir, qui prennent le temps d'analyser, qui calculent les conséquences de leur action ou de leur parole, et donc ils ne se précipitent pas. Voici donc, nous appartenons soit à la première catégorie, soit à la deuxième catégorie. Et normalement, l'être humain, il passe par plusieurs expériences. Et ces expériences peuvent conduire à des dégâts. Et normalement, l'être humain doit tirer leçon des expériences par lesquelles il est passé. S'il s'est précipité dans un événement, il ne va pas se précipiter encore une fois dans le même événement lorsqu'il se reproduira dans sa vie. Donc il tire conséquence de ce par quoi il est passé. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La yuldaru l'mu'minu min al-juhri marratayn » Le croyant ne se fait pas mordre d'un trou deux fois. Si tu as été mordu la première fois, tu ne vas pas tendre la main la deuxième fois. Mais nous avons des personnes qui se précipitent toujours et refont les mêmes erreurs avec les mêmes conséquences et jamais ils ne tirent leçon et jamais ils n'essayent d'imprégner leur personne, leur tempérament avec une certaine lourdeur dans la prise des décisions ou dans l'engagement dans certaines actions. Le Coran a souvent parlé de la précipitation, du caractère hâtif de l'être humain. En 37 endroits dans le Coran, 37 passages dans le Coran, où Allah Azza wa Jalla parle de l'ajala. L'ajala, c'est la précipitation. Ou bien la vitesse dans l'action. Il n'y a qu'une seule fois où Allah Azza wa Jalla l'a cité dans le bon sens. Les 36 autres fois, il l'a déconseillé ou bien il a montré son caractère négatif et néfaste sur les personnes. La seule fois où il en a parlé en bien, c'est lorsqu'il parlait du pèlerinage et il a dit que lorsque les musulmans ou bien les pèlerins terminent le rituel, lorsqu'ils sont à Mina, ils peuvent rester ayyam tashriq, soit deux jours. Donc s'ils se contentent de deux jours, c'est ça ce qu'on appelle at-ta'jil. Tu te contentes de deux jours lors des jours de at-tashriq. Ayyam tashriq, c'est le 11e, le 12e et le 13e jour de Dhu al-Hijjah. Donc le musulman peut rester, ou le pèlerin peut rester à Mina le 11e et le 2e jour, et après il rentre à la Mecque, ou bien il peut rajouter le 13e jour. S'il se contente de deux jours, on dit laqad ajjal. Ajjal, ça veut dire il a choisit seulement deux jours plutôt que trois. Et Allah Azza wa Jalla à ce propos, il dit il n'y a pas de gêne à celui qui a choisi seulement deux jours. C'est la seule fois où le mot l'ajala a été mentionné dans son bon sens et non pas dans le mauvais sens. Donc chers frères, Allah Azza wa Jalla nous a souvent parlé de l'être humain, de la nature de l'être humain. Il nous a dit que la nature de l'être humain est faite de faiblesses. Et parmi ce que Allah Azza wa Jalla nous a dit, c'est que l'être humain a été créé prompt. C'est quelqu'un qui est hâtif dans ses actions. Bien entendu, le fait d'être hâtif, de se précipiter, c'est nécessaire parfois, lorsqu'on veut se défendre dans certaines situations bien particulières. Mais majoritairement, la précipitation mène au mal et conduit à du désastre. Allah Azza wa Jalla dit à ce propos,
l'homme a été prompt dans sa nature. Je vous montrerai mes signes, c'est-à-dire je réaliserai mes menaces, ne me hâtez donc pas. Et Allah Azza wa Jalla dit dans un autre endroit concernant cette caractéristique, l'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. L'homme est très hâtif. Donc ça, c'est Allah Azza wa Jalla nous met au courant de cette nature, de cet instinct qui a été créé chez l'homme. Mais ce n'est pas parce que nous avons un instinct qu'il faut absolument l'assouvir et qu'il faut absolument le mettre en œuvre. Allah Azza wa Jalla nous montre ce défaut dans notre être afin qu'on ne l'utilise pas dans des dégâts et afin qu'on l'utilise comme atout dans certaines autres situations, comme on en parlera une autre fois. Et regardez l'histoire de la bataille de Uhud. Elle nous donne énormément de leçons à ce sujet-là. Lors de la bataille de Uhud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est installé à côté de la montagne de Uhud, il a vu que le combat va se dérouler sur cette plaine-là. Et il y avait donc Uhud à droite, il y avait les polythéistes en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y avait à sa gauche une petite montagne qu'on appelle aujourd'hui la montagne des archers. On l'a appelée plus tard la montagne des archers. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu l'armée des Quraishites en face de lui, mais un peu loin, à l'écart de cette armée, il y avait quelques chevaliers polythéistes, à la tête desquels il y avait Khalid ibn Walid, qui n'était pas encore musulman à l'époque. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tout de suite compris le stratège de Khalid ibn Walid. Donc il a appelé 50 bons archers musulmans, il les a appelés, il leur a donné l'ordre de monter sur la petite montagne, et il leur a dit, restez, stationnez-vous au niveau de la montagne, prenez vos positions dans la montagne, ne venez pas combattre à nos côtés, protégez nos arrières. Si vous voyez que nous avons gagné, ne descendez pas jusqu'à ce que je vous appelle. Si vous voyez que nous sommes en train de perdre, même si les oiseaux nous arrachent de la terre et s'envolent avec nous, ne descendez pas. Attendez mon ordre avant de descendre. Et il a mis à leur tête Abdullah ibn Jubair radiallahu anhu. Les 50 archers se sont positionnés au niveau de la montagne. Le combat a commencé. Les musulmans ont rapidement emporté la bataille contre les polythéistes, au point que ces derniers ont commencé à fuir le champ de bataille, laissant derrière eux énormément de butin. Et c'est là où les combattants musulmans ont commencé à ramasser le butin. Les archers, ayant vu que la bataille s'est achevée et que la victoire était du côté des musulmans, ils ont voulu descendre pour profiter du butin et partager le butin comme avec leurs frères. Abdullah ibn Jubayr leur a dit, faites attention, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas bouger de nos endroits jusqu'à ce qu'il nous renvoie quelqu'un afin de nous prévenir, jusqu'à ce qu'il nous avise. Mais les compagnons, malheureusement, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Et plusieurs parmi eux ont quitté cette place stratégique qu'ils occupaient et ils sont descendus de la montagne afin de profiter du butin. Abdullah ibn Jubayr n'est pas descendu avec une poignée de compagnons qui sont restés avec lui, mais tout de suite, Khalid ibn Walid a vu la brèche dans le corpus de l'armée musulmane et c'est comme ça qu'il a attaqué par derrière la montagne. Il a réussi à tuer donc les compagnons qui sont restés, qui ont campé sur leur position, et il a attaqué l'armée musulmane par l'arrière. Et c'est comme ça que les musulmans étaient perturbés, ils se sont divisés, la majorité d'entre eux est montée à la montagne de Uhud, même parmi les plus grands compagnons, et c'est là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été blessé, et ça c'est une autre histoire, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais en tout état de cause, voici maintenant une précipitation de la part de compagnons qui sont imprégnés d'une bonne foi, de la foi en Allah azza wa jalla, qui sont prêts à donner leur vie pour l'islam, mais voilà, parce qu'ils se sont précipités pour un bien matériel, du butin, alors qu'ils auraient pu attendre et ils auront leur part du butin. Et les conséquences ont été dramatiques, et pour eux, et pour l'armée musulmane. Tout ça, c'est pour dire que la précipitation, en général, n'apporte que du mal, et pour la personne elle-même, et pour le reste. Et surtout lorsqu'on occupe une position sociale importante, qu'on est responsable de plusieurs musulmans, on ne peut pas se permettre ce qu'on se permettrait lorsqu'on est dans une situation où on a un intérêt personnel, où on s'occupe que de nous-mêmes. Dès lors que je suis un chef de famille, je suis un responsable de musulmans ou d'un groupe de musulmans, où ma fonction me met dans une position de responsabilité, je ne peux pas
être hâtif. Je ne peux pas m'engager sans réflexion. Je ne peux pas me précipiter alors que derrière moi, il y a énormément de gens à qui je peux porter atteinte à cause de ma précipitation. Donc, chers frères, la précipitation, on la trouve dans énormément de domaines de notre vie. Qu'il s'agisse des domaines religieux, de pratiques rituelles, ou dans le domaine de nos comportements les uns vis-à-vis des autres, ou dans nos attitudes. Dans le domaine religieux, il y a plusieurs domaines dans lesquels on se précipite. Et cette précipitation risque de nous causer énormément de dégâts dans notre religiosité. Prenons quelques exemples. Al-Wudu, les ablutions. Plusieurs personnes, parce qu'ils accomplissent le wudu d'une manière rapide, ils ne prennent pas leur temps. Qu'il s'agisse de petit wudu ou bien du grand wudu. Ils sont rapides et il se peut qu'ils passent à côté du lavage d'une partie obligatoire qu'il fallait laver dans le corps. Et surtout lorsqu'il s'agit de l'rusl. L'rusl, lorsque vous voyez les savants, lorsque vous lisez Risalat ibn Abi Zayd al-Qarawani rahimahullah, et vous voyez les détails avec lesquels il montre l'rusl, vous restez ébahi devant ce détail-là pour que le musulman n'oublie rien de son corps. Tu peux oublier tes oreilles. Tu peux oublier ton nombril au moment du grand lavage. Et l'eau ne touche pas ton nombril. Ça veut dire que ton lavage est caduque. Ça veut dire que toutes les prières que tu vas accomplir avec ce lavage-là, et ça peut durer 2 jours, 3 jours avant que tu fasses le prochain lavage, ou même 1 semaine, toutes tes prières sont caduques. Tu n'as rien rempli dans ton livre. Et même, tu risques d'avoir même des péchés parce que tu n'as pas accompli la prière. C'est comme si tu ne l'as pas accompli. Une pratique qui est caduque aux yeux de la législation musulmane, et caduque dans son accomplissement. Ça veut dire c'est que tu es pareil à quelqu'un qui n'a pas prié, alors que tu as prié. Pourquoi ? Parce que ta prière est caduque. Elle n'est pas comptabilisée et tu es considéré comme quelqu'un qui a failli à la prière, donc tu reçois un péché. Abdullah ibn Amr, radiallahu anhu, dans un hadith rapporté par Muslim, a dit « Nous sommes revenus avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. » Ça, c'est après la conquête de la Mecque. Et il y avait des compagnons qui nous ont précédés. Ils sont arrivés à un endroit où il y avait de l'eau. Et la prière de l'Asr était déjà entrée. Et le Maghrib se rapprochait. Donc, ils ont voulu se précipiter pour faire la prière avant le coucher du soleil. Et c'est là où ils ont accompli leurs ablutions. Mais on voyait l'arrière, les talons de leurs pieds, qui n'étaient pas mouillés. Ils se sont lavés, mais ils ont omis de bien laver les talons. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a vus. Et il leur a dit, « Waylul lil aqabi minan nar asbiru wudu'akum. » Malheur aux talons du feu, qui vont subir le feu, qui risquent d'être châtiés dans le feu. « Asbiru wudu'akum. » Complétez votre wudu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ayant fait cette remarque, nous montre que c'est quelque chose de très important que de laver certains coins ou bien certaines parties de notre corps pour que notre ablution et notre prière soient acceptables. L'imam Ahmed rapporte un hadith hassan sur Abu Huraira radiallahu anhu dans lequel il dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné 3 choses et m'a interdit 3 choses. Il m'a ordonné d'accomplir 2 rak'at de duha tous les jours. Et il m'a ordonné d'accomplir le witr au moment où je veux dormir la nuit. Et il m'a ordonné de jeûner 3 jours par mois. » 3 choses faciles à retenir. Et il m'a interdit 3 choses. Il m'a interdit d'accomplir les prosternations furtives à la manière d'un corbeau. Ou bien à la manière d'un coq. Tu fais la prosternation rapidement et tu te lèves. Comme un coq qui picote par terre. Il m'a interdit d'accomplir des prosternations furtives à la manière d'un coq. Il m'a interdit de poser mes avant-bras au niveau du sol, de les poser contre le sol comme le fait un chien. Normalement on pose les mains et on soulève les coudes, on ne pose pas les coudes par terre lorsqu'on accomplit les prières. Et combien de fois j'ai vu des frères faire ce jeûne de cette manière. Et même lorsque tu les conseilles, ils s'exécutent la première fois, deuxième fois, une semaine après tu le vois revenir à sa position initiale. Parce que lorsqu'on apprend quelque chose et né de manière mauvaise dès le départ, ça risque de continuer avec nous jusqu'à la fin de notre vie. Et en général l'imam il est devant, il ne voit pas ce qu'il y a à l'arrière. C'est lorsqu'on fait quelques prières à l'arrière qu'on se rend compte justement du drame qu'il y a dans la communauté musulmane au niveau de leurs prières. Et ensuite il a dit, et il m'a interdit de jeter un regard furtif pendant la prière comme le fait le renard. Autrement dit, il faut regarder à l'endroit où on va se prosterner.
Donc ces conseils-là, Abu Huraira dit qu'il les a appris et nous devons les apprendre. Dans notre prière, il ne faut pas se hâter, il ne faut pas se précipiter. Prenons le temps d'accomplir bien comme il le faut notre prière. Hudhayfa ibn al-Yaman a vu un jour un homme qui priait d'une manière rapide. Dans la version de Bukhari, il lui a dit, tu n'as pas prié. Ce que tu viens de faire là, ce n'est pas de la prière. Tu n'as pas prié et si tu meurs, tu ne vas pas mourir sur la fitra, sur la nature innocente dont Allah Azzawajal a créé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la version de ce hadith-là de l'imam Tirmidhi, il lui a dit, depuis quand que tu pries ainsi? Il lui a dit, depuis 40 ans. Il lui a dit, tu n'as pas prié depuis 40 ans. Tu n'as pas prié depuis 40 ans. Imam Shafi'i, Imam Ahmed, Imam Ishaq, ils disent que toute personne qui ne termine pas comme il le faut son recours, qui n'accomplit pas ce sujoud comme il le faut, sa prière est caduque. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, une prière n'est pas considérée lorsque l'homme n'a pas bien accompli son recours, il n'a pas bien accompli son sujoud. Et même lorsqu'on se relève de sujoud, Sami'a Allahu liman hamida, Rabbana wa laka alhamd, wa laka hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fi, mil as-samawati wal ard. Il y a plusieurs formules, mais parfois tu vois des personnes qui disent Sami'a Allahu liman hamida et ils replongent tout de suite. Tu dis, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a rien dit en fait. Ni dans son recours, à chaque posture de la prière, il y a des mots à dire. Sauf dans le jalsat istiraha. C'est pour ça d'ailleurs que les malikites ne la considèrent pas comme faisant partie de la prière. Mais les autres postures, il y a forcément une formule à respecter, à dire, à prononcer. Et la prononciation de ces formules-là te permet de t'attarder un petit peu, de prendre ton temps avant de passer à une autre posture. La prière, chers frères et sœurs, n'est pas un exercice sportif. La prière n'est pas un exercice sportif. C'est une pratique spirituelle. Tu es devant Allah Azza wa Jal. Tu es venu pour acquérir des hasanats. Tu es venu pour qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. C'est sur cette prière que tu vas d'abord être jugé le jour du jugement. C'est cette prière qui te sera rentable le jour du jugement. C'est la meilleure monnaie, la meilleure devise du jour du jugement. Donc accomplis-la comme il le faut. Ne te précipite pas. Sinon tu es considéré comme quelqu'un qui n'a pas du tout prié. Donc chers frères, parmi aussi les choses religieuses dans lesquelles les musulmans parfois se précipitent, c'est l'invocation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, on répondra à l'appel de l'un de vous, on exaucera le vœu de l'un de vous, tant qu'il ne se précipite pas et qu'il dise, j'ai invoqué Dieu et il n'a pas répondu à mon appel. Si quelqu'un dit cela, Allah Azza wa Jalla, il ne répondra pas à son appel. Jamais le musulman ne doit dire, oui, j'ai invoqué Dieu et il n'a pas répondu. J'ai demandé à Dieu cela, il ne m'a pas demandé. Il ne m'a rien donné. Allah Azza wa Jalla répond d'une manière ou d'une autre à ton invocation. Soit il te donne ce que tu veux au moment où tu veux. Soit Allah Azza wa Jalla te donne autre chose qui est meilleure pour toi. Soit Allah Azza wa Jalla diffère la réponse à ta demande pour un autre moment qui te sera encore plus propice. Soit Allah tabaraka wa ta'ala, il ne répond pas à ce que tu lui as demandé, mais il écarte un mal qui allait te toucher. Soit Allah tabaraka wa ta'ala, il diffère la donation ou la dotation jusqu'au jour du jugement. Pour ton invocation, je te réserve une récompense dans l'au-delà. Donc l'invocation, quelle qu'elle soit, même si Allah n'a pas répondu à ce que tu as demandé, elle est rentable pour toi. Sache qu'elle est rentable à 1000%. À 1000%. Et jamais tu ne dois dire, j'ai invoqué Dieu et il ne m'a pas répondu. C'est la manière avec laquelle tu annules l'invocation que tu as faite. Et c'est comme si tu ne places pas ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. C'est comme si tu ne veux pas confier à Allah azza wa jalla le choix de ce qui est meilleur pour toi au moment qui est propice pour toi et dans le lieu qui est propice pour toi ou dans la vie qui est propice pour toi ici-bas ou l'au-delà. C'est Allah azza wa jalla qui juge. Place ta confiance en Allah Azza wa Jalla. Voici quelques exemples. On a cité le wudu, on a cité la prière, on a cité ad-du'a, trois domaines religieux dans lesquels le musulman ne doit jamais, jamais, jamais se précipiter et prendre le temps d'être en bon contact avec Allah tabaraka wa ta'ala afin de recevoir la récompense. Et on parlera inshallah des autres domaines la prochaine fois qu'on se verra bi-idhnillah Azza wa Jalla.